Notre invité du jour est humoriste, acteur, réalisateur et scénariste. Il est passé par le Jamel et le Bordel Comedy Club avant de se lancer dans le cinéma. On en a reçu du beau monde dans la Playzone, mais aujourd'hui, c'était ni deux ou rien. Bref, bienvenue Kéran. Même si on nous traite tout comme pas de mauvaise graine. Si toi aussi tu penses qu'elle est pas comédienne et qu'elle ment, tape dans tes mains. On part quand? Tu partirais sans moi. Non, c'est de la merde, c'est de la merde, j'ai pas mal du tout, putain. Alors je vois, Kéran, que tu es resté dans l'entrée et que tu es devant les jeux. Je suis timide. Mais oui, mais tu fais bien, puisqu'il y a plein de vieux jeux, de jeux rétro gaming maintenant. Hein. Est-ce qu'il y en a qui te rappellent des souvenirs? Il y a mon jeu, c'est God of War. Oh, tellement c'est ma vie. C'est pas vrai, t'es un fan de God of War. Mais non, mais je suis un fan des mythologies grecques. Une petite heure de Kratos, non? Attends, tu sais que j'ai un sosie qui ressemble à Kratos. C'est pas vrai. J'ai mis sur Instagram un compte de mes sosies, j'ai la tête la plus banale du monde, donc je dois avoir, je sais pas. Et c'est un mec qui s'est déguisé en Kratos, on dirait tellement moi. Et non, je suis un fan de mythologie grecque, je trouve que c'est tellement la vie. D'ailleurs, il est dans le jeu ou pas? Oh, c'est le vrai et tout, putain, trop bien. Moi, j'étais vraiment fan de Kratos et de PES. Et la PlayStation 2, c'était ta console? Non, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que les rares fois où j'ai acheté une console, c'est parce que je voulais un jeu. Et tu voulais quel jeu? Je voulais Kratos. C'était ton jeu. J'ai vu qu'il y avait un jeu sur la mythologie grecque, je l'ai acheté et après on m'a dit c'est sur PlayStation 2 et j'ai pris la PlayStation 2 ce jour-là. Mais ça m'avait foudroyé. En plus, comment ils avaient réussi à mêler tous les personnages de la mythologie grecque dont moi j'étais fan, God of War, oh là 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 là. Si tu es transcendé par ce couloir et ces jeux, je t'invite à aller plus loin dans la Playzone et à découvrir à quoi ressemble le décor et à continuer de regarder ces jaquettes qui te rappellent de bons souvenirs. Bienvenue dans la Playzone, Kéran. Oh, c'est trop mignon. Merci beaucoup. Tu peux t'installer dans la cuisine, tu peux regarder un petit peu, on a préparé des petites décos. J'allais mettre à côté du gars, mais ok. Oh, c'est moi. Ouais. Eh oui, monsieur, ouais, titre de chevalier de l'ordre des arts et des lettres. T'es le premier chevalier qu'on reçoit, on voulait l'encadrer. Ouais, c'est-tu ? Je me rappelle, j'avais mis sur internet, j'aurais préféré du zodiaque, mais bon, ça fera l'affaire. Par les météores de Pégase ! En fait, tu sais que moi, je l'ai pas fait la cérémonie, donc je l'ai reçu le truc, mais j'en ai pas fait un sort et tout, tu vois. J'ai pas voulu. J'ai mis cette photo-là, mais c'est la seule chose que j'ai faite. J'ai pas organisé le truc avec la médaille, tu sais, que tu reçois et tout. Et tu l'as encadré chez toi ? Pas du tout. Non, le truc, il est à mon bureau, je crois, c'est ma mère qui l'a. Non, c'est pas vrai. Je te jure, non, mais si tu veux, clairement. Tu sais, moi, ma règle, c'est si je me fais cambrioler, ça doit rien changer dans ma vie. Donc, je n'ai rien de valeur à part mon ordinateur parce qu'il y a toutes mes créations dedans. Ouais, tout ce qui est sentimental, c'est dans ta tête et tes souvenirs. Exactement. Quand tu rentres chez moi, on dirait un hôtel. Il n'y a pas de photo. C'est pas vrai. Tu sais pas que c'est chez moi, en fait. Tu sais pas si c'est chez qui. Et donc, j'ai pas de trophée, choses comme ça chez moi non plus. Si tu devais avoir un seul objet? Mon ordinateur. Parce qu'en fait, il y a mes créations dedans. Soit mon ordi, soit mon téléphone. Mais c'est surtout parce que ce sont des réceptacles de ce qui se passe dans ma tête. Et c'est ça, pour moi, le plus important dans ma vie. Quel serait ton plus beau souvenir qu'on ne peut pas t'enlever? Mais ils sont dans ma tête. Mais mon plus beau souvenir, instinctivement, je te dirais, quand je suis sur scène, c'est le moment où je suis le plus heureux dans ma vie. C'est-à-dire qu'il m'est même arrivé vraiment, et c'est pas des vannes, hein, plusieurs fois d'être extrêmement malade, où on te dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai quand même essayé de monter sur scène, il se passe un truc qui est indescriptible. Ton corps, il dit non, tu vas le faire, ça va bien se passer. Plusieurs fois, il m'est arrivé de m'évanouir à la fin de mon spectacle. Mais pendant, il se passe un truc où... Je peux pas te dire. Ça te tient debout, ça te tient. Ouais, t'es dans un truc, une énergie, ton... C'est un combat en fait, c'est un truc d'instinct de survie où tu te dis je peux pas mourir maintenant là. Écoute Kéran, on va vraiment essayer de te garder en vie tout au long de cette Playzone. Je te propose de t'asseoir sur l'un des fauteuils rouges et de regarder l'écran en face de toi. On t'a préparé un petit jeu sympa qui s'appelle Play ou pas Play. On va te montrer des éléments visuels, à toi de nous dire si ça provient d'un jeu PlayStation ou alors pas du tout. Je suis prêt, je suis play même. C'est tellement tordu que je vais dire oui. Mais oui, Goat Simulator, c'est un jeu qui existe. Je suis nul en jeu vidéo, mais je suis bon en mentalisme. C'est quoi, t'es la vie, t'es dans la vie d'une chèvre. Tu vis une vie de chèvre un peu plus améliorée, quoi. T'es une chèvre CSP+, quoi. T'es une chèvre qui accomplit un peu tous ses rêves. Ça tue. Prochain play ou pas play, c'est une citation. T'es mal placé dans la chaîne alimentaire pour faire... ta grande gueule. Ah, ça me dit un truc, ça. Ça me rappelle dans Jurassic World. T'es pas loin du tout. Et en effet, la réponse est bonne, c'est pas play, puisque c'est une citation qui provient de l'âge de glace. Prochaine jaquette. Non, ça, j'y crois pas. Comic Simulator. Vous avez essayé de me faire la même chose que la chèvre, mais ça marche pas. En effet, ce n'est pas du tout un jeu où tu peux apprendre à être un comique. Ça, c'est l'école de la vie. Non, mais ça, c'est un porno, c'est pas possible. Ma vie, oh, quelle horreur. Ma vie avec les chevaux. Non, on dirait un truc promotionnel du Front National, je peux pas y croire. Je peux pas y croire une seconde. Non, c'est faux. Mais d'ailleurs, c'est le cas, c'est une mauvaise réponse pour toi. Non, puisque c'est play, c'est un vrai jeu, ma vie avec les chevaux. Prochaine image. Attends, je peux m'approcher?
Non, ça c'est un vrai couloir. C'est un vrai couloir, c'est une bonne réponse. Il s'agissait d'un papelet. Prochaine image. C'est tellement gros, mais moi plus c'est gros, plus je me dis vas-y j'achète. Non, allez, je veux dire c'est une vanne. Malheureusement, il n'existe pas de jeu Chuck Norris. C'est incroyable. Ou alors en tout cas pas celui-là. Et enfin, est-ce que cette citation provient d'un jeu vidéo ? 50 degrés de plus, il sort la crème solaire. Et vous les mammifères, ça roule ? C'est toujours l'âge de glace, non ? Et non, c'est une mauvaise réponse puisqu'il s'agissait du jeu Mass Effect. Tu avais omis la dimension voyage dans l'espace. Je connais pas ce jeu, putain. Oh, d'autres planètes. Tu as remporté haut la main ce game, play ou pas play. C'est gentil. Je te propose maintenant de passer à une autre forme de game qui s'appelle le challenge. Échappe à la horde sur Days Gone. Kéron, nous sommes dans le challenge dans cette playzone. Tu es sur Days Gone, tu vas avoir une minute pour tuer 100 mutants. Donc bien sûr, le but du jeu est d'échapper à la horde de zombies sans mourir. On a mis une petite carotte à la clé. C'est-à-dire que si tu réussis ce challenge, tu vas avoir le droit de manger notre super bon gâteau qu'on a préparé amoureusement pour toi. Et si tu rates, tu vas avoir le droit de manger un gâteau avec, dans lequel il y a des ingrédients un peu plus dégueux. Ah merde, je pense que je vais manger vos trucs dégueux. Hein. Viens, je mange tout de suite, c'est plus simple. Je te laisse découvrir. L'ordre commence à arriver en face de toi. Okay. Petit indice chez toi, elle se dirige vers toi. Là, hop, là, il faut lui. J'ai jamais été bon pour des jeux comme ça, putain. Écoute-moi bien. J'ai jamais été bon pour échapper mais à des gars. Mais cours. Mais je sais pas faire ça, je suis pas un lâche. Mon père l'a fait de la prison contre le gouvernement iranien, je peux pas fuir. Voilà. Ce challenge va se terminer très vite alors. Je suis nul pour les jeux comme ça, putain. Tu vois pourquoi j'aime Kratos ? Parce que lui, il a des chaînes. Tu peux te dire que tu n'es pas lâche si tu cours. Allez, fuck, je vivais. Mais que tu peux essayer de trouver les trucs disséminés sur lesquels... Mais c'est pas mon style. Moi, par mon exemple, style, c'est ça, regarde. Moi, mon style, c'est ça. À la Kratos. Si tu tirais dans le bidon rouge, ça fait exploser le bidon rouge mais faut... et t'en tues 100 en même temps, quoi. Ouais, d'accord, mais faut... Ma vie, c'est ça, moi. Moi, je vis un jour comme un lion et pas 100 comme un chien, tu vois. C'est toute ma mentalité que tu viens de montrer, là. Je suis désolé. Vas-y, qu'est-ce que je veux manger, gâteau nul ? On peut changer le truc, tu peux essayer de survivre pendant une minute. Tu vois tous ces bidons rouges, tu peux tirer dessus, ça mais explose. Quoi ? On cours, met... cours, cours ! Là, ça, c'était un peu humiliant, comment tu l'as dit. Cours, arrête de parler. Ah, mais je quitte la zone de mission, là. Oups. Oh là là, ils sont tous là. Ah. Pas mal, la roulade. Pas mal. Je vais faire que ça, voilà. Quand un truc fonctionne, regarde. Ça, c'est ma vie, ça. Les gars, fait des impros sur scène, ça marche. Allez, encore une impro. Jamais autre chose. Eh, c'est pas mal, là, il reste plus que 3 secondes. Comme quoi, la lâcheté, ça paye, hein, en vrai. Tu as réussi ce challenge d'une minute sans te faire attraper par les zombies. C'est humiliant, mais j'ai réussi quand même. Écoute, t'as réussi dans un cas où t'es resté droit dans tes pompes. C'est très mignon, tu serais une très bonne maman. T'as vu, je suis sympa. Félicitations, Kéron, pour ce challenge réussi haut la main. Je te laisse aller récupérer ta récompense dans le frigo. Il s'agit d'une rose des sables pour toi. Tu as évité de justesse la rose des sables à la moutarde. C'est celle de gauche. Oui, que je reconnais pas la bonne. Ne te trompe pas. La bonne, celle de gauche. Eh hein. Oui, tout à fait. On ne te piège pas. Alors, il n'y a pas de cuillère, j'imagine. Faut si, il y a des cuillères derrière toi. Ah, j'ai vu, putain, il y en a deux, tout. C'est calibré. Je te propose, pendant que tu découvres ton petit gâteau, qu'on passe à la séquence La Story. Kéron, en ce moment, tu as ton spectacle 60 minutes avec Kéron. On n'éteindra pas la lumière à l'européen ouais. À partir du 2 avril 2020, donc. C'est ça, jusqu'à fin décembre. Est-ce que tu peux nous rappeler le concept de ton spectacle 60 minutes avec Kéron ? En fait, j'ai plusieurs spectacles en tête. J'ai plusieurs heures de blagues en tête. À chaque soir, en fonction du public, en fonction de qui ils sont, de ce qui se passe, je puise dans ce stock et le reste, je le fais en impro. Et ça fait 60 minutes avec Kéron. C'est une soirée sur mesure pour le public de ce soir-là. Et j'ai jamais joué 2 soirs de suite le même spectacle dans ma vie. Et j'ai des gens qui sont revenus 15 fois, 16 fois, 19 fois. C'est pas vrai. Je te jure, c'est fou. Et t'as des combinaisons qui te plaisent plus que d'autres ? Des passages, bien sûr. Tu sais, j'ai pas choisi de faire un spectacle autour de ma personne ou de mes envies. Je veux vraiment faire rire le public au maximum. Je choisis des axes particuliers. Quand tu joues dans une salle, par exemple, je sais pas, je suis une connerie, mais dans une ville en province où la moyenne d'âge c'est 40-50 ans, tu fais pas les mêmes blagues que quand tu vas jouer en banlieue parisienne, par exemple. Donc ça permet de t'adapter à tous tes publics. Exactement, et d'avoir un stock aussi, au final, c'est assez vaste. Et en parlant de stock, t'as un beau stock d'affiches, hein. D'ailleurs. On en voit quelques-unes s'afficher en ce moment. Où ah oui, ça c'est un délire que j'ai fait, attends je vais mettre là. Sur Instagram. J'ai fait plusieurs séances photos pour faire des fausses affiches, ça me faisait rire pour annoncer la vraie. Et j'ai repris un peu, tu vois, hein, tous les codes du one man show qui existent un peu dans le monde du théâtre.
Ouais, c'est celle-là, ouais. Tu vois, c'est ringard, c'est tellement ringard. Ouais, mais c'est ce qu'on aime. Ouais. C'est un peu les affiches de théâtre dans le métro parisien. Exactement, exactement. C'est une petite pique à ces trucs-là, tu vois, sans être méchant, mais c'est ma préférée, celle-là. C'est laquelle t'as préférée ? Il y a celle de la chicha, que j'adore. Ok. Le truc de théâtre indépendant, tu sais. Ah oui. Libre. Théâtre subventionné un peu. Et celle avec la pièce de théâtre. Tu as également une nouvelle actu, la sortie de ton nouveau film, Brutus versus César, le 1er juillet 2020. Est-ce que tu peux nous en parler ? C'est une comédie, comme mes deux premiers films. Mais après, j'aime bien aussi mélanger d'autres genres. Et puis, c'est vrai qu'il y a plein de familles d'humour différentes, de Ramsey en passant par Gérard Darmon, Thierry, Pierre Richard, Artus évidemment, il y a Issa Doumbia et Jérémy Ferrari qu'on voit, Laura Lone. Il en manque plein, franchement, on est une vingtaine de comédiens et comédiennes. Ça se veut bien sûr comique, il y a des moments très émouvants, très très drôles, pardon. Il y aura aussi des moments émouvants parce que c'est aussi un peu ma patte. Les gens l'ont vu sur mes deux premiers films. Et puis il y a une dimension que je n'avais pas encore explorée, c'est la dimension un peu épique, avec de l'action, avec des axes narratifs liés à ce genre d'histoire. Donc c'est un challenge pour moi de faire un film comme celui-là. J'espère que le public répondra présent. Si vous avez envie de vous amuser, de rire, de passer un bon moment, faut pas hésiter. Putain, on dirait que je vends une kermesse, j'ai envie de crever. Je suis tellement mauvais pour ça. Merci beaucoup Kéron pour cette promo de kermesse qui était magnifique. C'est bientôt la fin de cette playzone, mais on a une dernière surprise pour toi. On t'a réservé une manette toute neuve, toute propre, non, que tu vas pouvoir dédicacer afin de rejoindre le Hall of Fame de cette playzone. Et non, elle se trouve sur la table basse, ainsi que des petits stylos. Tu sais quoi, je vais prendre la verte, parce qu'elle est plus originale. Pan. Et que parmi mes camarades, il n'y en a aucun qui a vert. Et je la mets où du coup ? Parce qu'il n'y a pas de place. Si tu veux, tu peux enlever quelqu'un du mur. Je peux enlever quelqu'un du mur. Si t'es ce genre de mec. Je peux clairement être ce genre de mec. Je peux clairement être. Non, mais je vais enlever personne du mur. Je vais faire comme si j'aimais tout le monde. Alors attends, je vais signer comme ça. C'est pas mal. Merci beaucoup, Kéron. Je la garde du coup. Et du coup, tu peux la garder en attendant qu'on la mette sur le mur. D'accord, et ben, je vais la mettre là. Mais je vais attendre que vous la mettiez sur le mur et je partirai après. Comme ça, moi, t'es sûr. Pour être sûr que vous m'avez pas menti. Merci beaucoup, Kéron, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans la Playzone. On le rappelle, ton spectacle 60 minutes avec Kéron se joue. Et on attend avec hâte ton nouveau film Brutus versus César. Je te laisse profiter de la Playzone. Tu reviens quand tu veux. Tu es le bienvenu ici. Quant à nous, on se laisse. Merci pour cette saison. On se revoit très prochainement. Salut à tous.